Le Vendée Fontenay Foot et le Vendée Luçon Football se retrouveront la saison prochaine en CFA. Grâce à ce match nul, mais aussi grâce aux défaites des autres équipes en difficulté, Saint-Privé et Caen, les deux équipes sud-vendéennes assurent donc leur maintien. Et pourtant, cela était loin d'être acquis pour les joueurs de Frédéric Reculot en rouge, mené à la mi-temps 2-0. Premier but signé Ndiaye à la 17e minute de jeu, suivi par Letouzé à la 36e. Fontenay a bien joué, ils ont eu de la réussite. Pourvu que ça continue, parce que 2-0, c'est pas gagné. Hein. Fontenay, on dirait que plus une chambre qui nous sont. Fantastique, bonne attaque de Fontenay, des beaux buts. Dommage que Luçon a loupé leur pénalty, là. Je pense qu'on mérite pour le moment la victoire. Maintenant, il reste encore 45 minutes, donc à nous de ne pas faire de faux pas, quoi. En seconde période, à l'image de leur saison, les Fontenaisiens lèvent le pied. Les Luçonnais en profitent et reviennent au score à la 51e minute de jeu, puis sur pénalty à la 73e. 2-2, les deux formations n'iront pas chercher plus loin, leur maintien est assuré et c'est bien là ce que l'on retiendra de cette saison compliquée pour les deux équipes. Pour les Fontenaisiens, tout d'abord, c'est un bilan plutôt mitigé. Une première partie, voire jusqu'au match du point raide, plutôt intéressante avec du contenu, avec des choses qui ont, je pense, emmené le club à une cinquième place. Et puis après ce match du point raide, beaucoup de difficultés à rebondir parce qu'il y a eu énormément d'efforts de transmis. Puis physiquement, on a été, je pense, très limite. On avait un effectif assez faible au niveau du nombre. Et je pense que ça a joué. Ça a joué sur cette fin de saison. Du côté des Luçonnais, même constat, la saison 2010-2011 ne restera pas dans les annales du club. On est soulagés de terminer cette saison qui était un petit peu à l'inverse de ce qu'on attendait forcément et pas dans le sens qu'on veut, que ça soit par le travail, que ça soit par les résultats. Donc quand c'est comme ça, c'est dur à vivre. Comme je suis le responsable, je vais m'en mettre en question. Donc c'est vrai que bon voilà, je veux vraiment voir avec les joueurs, avec Steph, avec le Prez, et savoir avec Fred aussi, et savoir réellement comment on peut repartir. Parce que voilà, quand on a des responsabilités, qu'on n'est pas à la hauteur, à un moment donné, il faut aussi s'en mettre en question. Donc je vais m'en mettre en question. Maintenant, dans quel sens, je ne sais pas. On va voir ça. Frédéric Reculot sera-t-il toujours là la saison prochaine? Rien n'est encore décidé, mais pour les deux formations, un objectif est clairement affiché, ne pas connaître une fin de saison similaire l'année prochaine. Concernant Fontenay, c'est la seconde fois consécutive que l'équipe échappe à une relégation.